Salut les amis, c'est Vincent. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo sur Division 2 pour une présentation, pas de stuff. On va pas dire de présentation, mais on va faire le tour des marchands. Comme ça, vous verrez cette semaine qu'est-ce qu'il y a au niveau des marchands. Ça pourra toujours vous servir. Allez, on y va, on traîne pas. On va faire le premier ici. Alors, il nous propose un mec animal. Ok, PP19, le prophète. Hop, Murakami, bon, rien du tout, c'est pas la peine. Observation, oui, pourquoi pas. Hop. Vous avez des modes pour le drone, pour la tourelle, la sticky. Hop. On va aller faire vite fait le tour au refuge. Hop. Parce que c'est important quand même de faire le tour complet. On ira faire Cassie Mendoza. Ça, vous verrez aussi. Allez, le marchand. Donc, au moins, vous avez un peu de tout. Alors, nouveau et fiable, voilà, qui vous donne parfaitement optimisé. Un Petrov, les mobs, hop. Stimulant, voilà, truc pour le piège, hop. Ensuite, bon, ici vous avez la progression totale, voilà, vous voyez. Si vous faut un petit repère, vous regardez, hein. Voilà, tout est mis dessus. Hop. Alors ensuite, alors Mademoiselle Cassie Mendoza, je l'ai pas déclenché avec ce compte-là. Oh mince. Eh ben, allez, on y va. Alors, est-ce que Snitch il est là? Bah non, il est pas là, comme par hasard. Bon, c'est pas grave, on va se TP ici. J'espère qu'il va pas me faire courir en pleine vidéo. Non, bah il est pas là. Bon, c'est pas grave. Alors ensuite, donc on a fait le tour, hein. Après refuge c'est bon, on va faire maintenant les tours ODZ, hop, au moins vous verrez ce qu'il y a au marchand de la DZ, ça peut être intéressant. Hop, allez on y va. Alors. Il nous propose Hiver Funeste, une Vector avec réformation, ouais bon elle est pas terrible, une Fal, ouais, ça va encore, l'Umbra, oui, bon après voilà, là c'est bien, c'est pas des pièces, vous le savez, hein, c'est des crédits de la DZ. Hop, donc ici c'est bon, on va se TP à l'autre, ici, hop. Hop, donc vous voyez hein, les hélicos, donc ça je pense que ça doit être la DZ couteau. Vous voyez généralement les hélicos qui arrivent en haut. Hop, on est à la DZ Est. Bonjour madame. Hop, alors qu'est-ce qu'il nous propose? Toute griffe dehors. Oh, intéressant. Dommage qu'il est en santé. Sinon ça aurait pu... Ouais. Socom, ouais, bon après, du dilemme. Ouais, il n'y a pas grand-chose ici. Hop, vous voyez, hein. Des aides couteaux, on le voit. Voilà, ici. Alors, on a fait celle-ci, on a fait celle-là, et ben on va les faire là-bas tout au bout. Hop.
moins vous aurez tous les marchands de cette semaine, et puis après je prendrai mon autre perso. Alors bien sûr pour l'instant je peux pas faire de coupure, c'est tout en manuel, ça viendra. Hop. Et on va voir ce qu'elle propose ici. Que lui propose. Alors, il propose le Quélèbre. Ouais, bon, il est pas terrible, hein, franchement. Ouais. Ah, il y a le gear ici. Compétence de réparation, il fait des... Ah, dommage. Ouais. Il aurait été en récup compétence de réparation, j'aurais peut-être pu commencer à farmer. Mais bon. Hop. Et après, il y a quoi, là? Il y a que ça. Allez, hop. Donc, du coup, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Oui, hein, je pense. Après, on peut aller voir peut-être quand même au refuge, on sait jamais. Même si on a fait l'autre, on va regarder si c'est pareil ou pas. Allez, le refuge, on va regarder. Hop, donc ici c'est les projets, hein. Voilà, vous le savez. C'est marqué au-dessus. Et on va regarder si le vendeur c'est le même. Ah bah non, c'est pas le même. Voilà, donc il propose une tsunami. Le pompe ici, ouais, bon, ligne bois. DH. Voilà, bon. Ok. Bon, il n'y a pas terrible, hein. Franchement, au vendeur, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de. Voilà, on peut peut-être aller voir là aussi, on sait jamais. Hein. Ah, je sais plus où il est, le... s'il y en a un ici, je sais pas. On va regarder. C'est vrai que ça a tellement bien changé. Peut-être ici, non? Non, si c'est la table de craft, ok. Hop. Ok, bon. Alors, ici, vous avez les projets. Hop. C'est pas mal. Je pense que peut-être qu'il va venir après, hein. Voilà, ici, on a les primes, vous voyez, c'est pas mal, hein. Hop, ici, vous avez toutes les compétences, hein, pour débloquer. Hop, vous avez la caisse qui est là, ouais, c'est pas mal, hein. Franchement, ils ont bien aménagé. Ok, donc là, on va refaire le tour. On peut pas passer ici, hop. Ouais, franchement, c'est bien, hein. Voilà, donc ici t'as la dame la dernière fois qu'on a libéré, hein. Hop. Voilà. Ici peut-être qu'après, peut-être par la suite on. Ça sera peut-être ici. Hein. Pour l'instant on n'a pas. On n'a pas grand chose. Allez, hop, changement de personnage. Et on va aller voir Cassie Mendoza. Bon, quand même étonnant. Parce que j'avais débloqué tout à l'heure et là il n'y est pas, donc je sais pas. Oh, si Snitch il est là, il est pas là. Putain, il va me faire courir à droite à gauche, hein, c'est fou, hein.
C'est pas grave, c'est pas grave. On a le temps. Vous passerez à l'essentiel sur la vidéo. N'oubliez pas des fois de switcher avec la résolution parce qu'en ce moment, il me met mes vidéos en 480, je comprends pas. Alors que je le fais en maximum. Mais vous avez une petite molette, hein, bien sûr, sur votre écran, tout en haut à droite, sur YouTube, que vous pouvez modifier la résolution. Donc si jamais ça va pas, vous pouvez le modifier vous-même. Mais je sais pas ce qui se passe en ce moment. Je sais pas. Hop, allez. On va bien voir. Hein. Je sais plus si c'est avec ce personnage-là que j'avais débloqué. Voilà, allez là, on va pouvoir y aller. Donc on se TP à la planque. Allez, hop. Donc des fois c'est possible quand vous sortez ici qu'il y a des rogues là, même très souvent d'ailleurs. Hop. Donc là on va aller direction le fin fond de la map, hein, du côté de West End. Ouais, Foggy Bottom. Hop, vous avez une petite caisse aussi ici. Des parias. Hop. Bon, généralement, faut pas s'attendre à un miracle. Allez, on y va. Direction Casey Mendoza. Donc là pareil, vous avez toutes les petites caisses à ouvrir, on va peut-être pas le faire. Hop, allez, mademoiselle Casey, qu'est-ce qu'elle a cette semaine? Hop, on va regarder s'il n'y a pas des petits trucs, il n'y a rien. Allez, la voilà madame. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Une réplique? Un veilleur de nuit? Voilà, mais le nommé, hein, c'est pas le refroidissement. Si vous donne 100% de récup d'impulsion de scanner. Alors honnêtement, là c'est pareil. Moi je l'ai testé une fois. Bon. Le shield. Honnêtement, il est pas mal. Voilà, il est pas mal. D'habitude, il est un peu plus dégueulasse. Donc je peux le prendre pour mon ad perso. Le chasseur-tueur. Ben, il est pas terrible. Voilà, dégâts de shot, ça dépend. Dégâts de santé, après ça dépend de vous comment vous jouez. Le AC-8. Il est pas mal, il est pas mal. Voilà, moi je peux le prendre au cas où. Hop. Lord Breaker, oui, pas mal non plus. Hop. Le AC-8, pareil. Le Umbra, ouais, ça va. La carabine 7, non, dégueulasse. Ok, ça c'est bon. Le électrique avec avant-garde, c'est pas pour moi. Là, pareil. Protection contre ennemis d'élite, honnêtement, voilà, celui qui a 11 ou à 10, ben c'est. 271 crédits, ça va, hein, c'est pas mal. Voilà. Agent, it's a pleasure doing business with you. Me too. Hop. Alors du coup, ça je garde. Et ça je garde. Voilà, hop. Parce que bien sûr, il faut que je finisse mon stuff assez vite, que je vous avais dit que la prochaine vidéo, ça sera ça. Normalement, je crois que j'ai toutes les pièces. Voilà les amis, c'était le tour des marchands. Et ben écoutez. Bonne fin d'après-midi à tous, un grand merci à vous, et puis n'hésitez pas en commentaire si vous avez besoin, je suis là, n'hésitez pas. Et je vous dis à demain, ciao les amis, la bise, portez-vous bien, bye.